fin de la soirée, en attendant que Jules aille apprêter sa guitare, et voilà, il va me faire deux chansons, c'est l'interprète de ce soir, Jules Laurent en l'air, deux chansons de sa propre composition. Ça va permettre à Sophie de respirer un peu. Mais quand même, quand je parle, un peu de piano en arrière, ça fait rien. Voilà, Vivement Poésie aura bientôt 3 ans. Je reviens là-dessus, comme je l'avais dit au début, j'ai dit merci à tous ceux qui ont permis à cet événement de pouvoir continuer. Je m'adresse aux poètes, aux slameurs, aux auteurs, compositeurs et au public. Parce que s'il n'y avait seulement que Fijon, c'est les poètes, c'est les slameurs et les auteurs, compositeurs sans le public, on va l'arrêter tout de suite. Je dis merci à ce chaleureux public qui se déplace tout le temps. On est arrivé à un stand de notre parcours où il faut vraiment aller de l'avant. Le 20 octobre, au 3e anniversaire, je vais annoncer pas mal de nouveautés concernant l'événement. Je suis obligé de louer un piano maintenant, chaque fois qu'on a Vivement Poésie. On avait un piano qui... J'ai dit merci à Isabelle qui nous a laissé son piano presque une année. Merci Isabelle. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Elle va nous revenir. Elle chante aussi. Elle chante. Et depuis 2 mois, on loue le piano qui est là. Chez Ital Mélodie. Alors pour la première fois, on va commencer à passer un chapeau. Mais c'est pas un chapeau, mais c'est un petit panier. Ne vous gênez pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit là-dedans. Est-ce qu'il est frais, Jules? Jules que j'ai connu au bar, travaille là 3 fois. Ouais, 3 fois par semaine, ou bien 2, quelquefois 2, 3 soirs. Je ne savais pas qu'il chantait, qu'il jouait la guitare. On parlait de musique, je sais que son père et des amis font souvent aussi des soirées de poésie. Il est déjà même venu à Vivement Poésie. Et puis, il m'a dit, je chante. J'ai dit, quoi, toi, tu chantes? Il dit, oui, je chante, je joue à la guitare. Il dit, ok. Et un soir, j'étais là, je suis resté jusqu'à 3h du matin à la fermeture du bar. Mais ça ne veut pas dire que je suis venu depuis 5h jusqu'à 3h, attention. Quand je sors très tard. Soit je viens à 1h du matin, ou bien à minuit et demi, ou bien 2h. Et puis il a pris une guitare du bar en bas, il a gratté quelque chose, il a chanté. J'ai dit, bon ben, ça fait 2 mois, hein. J'ai dit, bon, prépare-toi pour le mois de septembre, 2 chansons. Il l'a fait. Chaque fois que je venais au bar, je lui demandais, est-ce que tu as préparé les 2 chansons pour Vivement? Il me dit, oui, je suis prêt. Jules, ça va? Ok. Lui, on lui donne un tabouret. Bon, donc ça, comme Fijon se dit, c'est la première fois que je vous mets le compo devant le public. Je pense que vous allez... Attends, déjà un peu, pour entendre la guitare aussi. Le problème, c'est que ma guitare, elle se plug pas, fait que... on va essayer de... De voir un petit peu de... Okay. On entend un peu dans le fond? Ouais. Les nuages sur le seuil de mon lit orangé, le vent dans les feuilles, une vie a changé. La clarté décroissante sur ma certitude refroidit mon sang et ma finitude. La vague nouvelle m'enlace et me lance, et tous les mouvements de mon corps m'élancent. La vague nouvelle m'enlace et me lance, et tous les mouvements de mon corps m'élancent.
l'automne qui s'installe, la fraîcheur juvénile, une brise rivale à ma quiétude servile, sous la pluie enflammée, sur le sol embrasé, le battement rythmé du courage avisé. La vague nouvelle m'enlace et me lance, et tous les mouvements de mon corps m'élance. La vague nouvelle m'enlace et me lance, et vers l'inconnu désormais j'avance. Et le jour descendre, quand la lumière brève éteindra la verve, quand la dernière feuille caressera le sol, je ferai le deuil de mon ancienne école. La vague nouvelle m'enlace et me lance, et tous les mouvements de mon corps m'élancent. La vague nouvelle m'enlace et me lance, et tous les mouvements de mon corps m'élancent. Dans les teintes de gris sur la ville en reine, régneront à l'abri la noirceur qui traîne. Dans l'étreinte de gris sur ma vie en chaîne, m'auras enfin appris que moi seul me freine. La vague nouvelle m'enlace et me lance, et tous les mouvements de mon corps m'élancent. La vague nouvelle m'enlace et me lance, et vers l'inconnu, désormais j'avance. J'ai soif de mouvement, j'ai faim de dénouement, bien plus heureux, bien plus heureux. Fin de dénouement, bien plus heureux. Soir de mouvement, j'ai fin de dénouement, bien plus heureux, bien plus heureux. Jouer une très vieille que j'ai écrit avec il y a genre 5 ans. Elle était 18 ans énervée de découvrir les femmes. Tu vois. Arrête-toi un instant, ouvre la porte de devant. Je serai le prochain passager de ton temps. Roule vite sur les chemins, c'est l'air au virage. Sur ma fille orage, au joli visage. Et mon temps sera tien, chemin faisant. Ton corps sera mien, passionnément. Conduis-moi à travers le clair obscur. Prends mon corps, t'en veux le face vite, c'est pur. Pa-ra-pa-pa-la-tum. Pa-tu-pa-pa-tu-pa-pa-ta-ra-ta-ta. Et que ferons-nous en cas d'accident? Jour belle dehors, ce
sera rageuse en âme. Alors je défoncerai la porte arrière, te laisserai seul, fil de tonnerre. Je reprendrai les chemins déserts, tenant mon pactage du grand éphémère. J'attendrai d'être pris par la fille beau temps, avec qui je voudrais paisiblement. La route me mène, la route me traîne, la route me mène, la route me traîne. Avec la fille beau temps, je vivrai sage. Elle me conduira jusqu'au rivage. Je laisserai derrière les plus vieux mirages. Je prendrai prudemment le virage. J'oublierai tout de la fille orage. Ses grondements, ses éclats, ses sombres paysages. Si elle s'arrête de nouveau pour moi, je me mettrai à l'abri de ses éclats. Mais en attendant, je n'ai que faire du soleil du beau temps, de vivre ma chère fille du moment. J'attends l'orage fébrilement. Alors arrête-toi un instant, ouvre la porte devant. Je serai le prochain passager de ton temps. Roule vite sur le chemin, accélère au mirage de ma fille orage, au joli joli visage. La ta 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 ta. Très fort, mesdames et messieurs. Jules, merci beaucoup à toi. Merci. Oui, c'est ton premier. Merci beaucoup, lui. Ton premier passage, mais pas le dernier. Voilà, c'est comme ça que tout le monde commence. J'aime bien. Tu fais